Salut les gars, j'espère que tout le monde se porte bien. Ok, bienvenue à vous dans cette troisième pronostic passé aujourd'hui le 18 et au 18 octobre 2022. Je suis là pour vous donner directement notre troisième pronostic du jour. Ok, les amis, j'espère que vous êtes en train de bien vérifier les coupons avant de placer votre mise. J'espère que vous vérifiez bien et vous êtes en train de pratiquer comme je vous l'avais dit. Ok, donc les gars. Ne vous dis pas que vous avez fait exactement comme je vous l'avais dit. Est-ce que vous voyez? Donc, vous pouvez modifier votre coupon. Vous pouvez parier sur ce que je vous ai donné. Et vous pouvez aussi encore refaire votre coupon à votre manière. Est-ce qu'on se comprend? Ok. Donc, dans cette vidéo, on va donner notre troisième pronostic sera basé sur tennis. Est-ce que vous voyez? Donc, comment ça va se passer pour que la vidéo ne soit pas beaucoup trop long? Bon, les gars, pour les nouveaux, abonnez-vous à la chaîne et activez-vous à la cloche de notification car vous êtes sur la chaîne de Jimmy NJG. Vous êtes très bien sur la chaîne de Jimmy NJG. Ici, nous parlons de tout ce qui concerne les business en ligne, ce qui pouvait vous aider à gagner. À faire votre business en ligne et à gagner énormément d'argent sur quel que soit les crypto-monnaies et trading, OneSbet, tout ce qui concerne le business en ligne. Ici, il y a tout. Ok, donc les gars, donc c'est un peu ça. Donc abonnez-vous à la chaîne et activez-vous la cloche de notification. Ok, directement, on vient sur tennis. Est-ce que vous voyez? Nous allons venir sur tennis. Ok, donc les gars, si vous cliquez maintenant sur tennis et vous venez juste ici maintenant, est-ce que vous voyez ATP? Donc on va cliquer sur ATP. Donc si vous cliquez maintenant sur ATP, donc vous venez juste ici sur ATP Anvers. Est-ce que vous voyez? Ok, comme vous le voyez déjà, donc on vient juste là, donc on va cliquer sur les matchs. Ok, les gars, ici on va combiner seulement 3 matchs. Est-ce que vous voyez? On va pas beaucoup combiner aujourd'hui. Notre combinaison va rester sur 3 matchs. Est-ce que vous voyez? Donc, qu'est-ce qu'on fait ici maintenant? On vient tout juste sur premier set. Est-ce que vous voyez? Non, oui, on vient sur premier set. Ok, donc vous voyez, ici maintenant il y a moins de 12 buts. Vous voyez, non? Donc, on va pas rester là. On vient tout juste ici sur 2-7. Bon, les gars, vous pouvez modifier votre coupon à votre manière. Est-ce qu'on se comprend? Ok, donc, les gars, qu'est-ce qu'on fait ici maintenant? On va ajouter plus de 8 buts à notre coupon de pari. Est-ce que vous voyez? On va ajouter plus de 8 buts à notre coupon de pari. Donc, regardez. Exemple, si vous avez fait pour moi et vous avez confirmé mon coupon de pari. Vous avez confirmé le code et vous avez ajouté l'argent dessus. Qu'est-ce que vous avez fait maintenant? Vous retournez maintenant et allez encore reparier sur le code et sur le coupon. Si vous voyez, donc, si, par exemple, si vous revenez ici maintenant, comme vous avez déjà fait plus de 8 buts, donc vous retournez maintenant, vous venez ici, vous pouvez faire moins de 8 buts. Est-ce que vous voyez? Donc, c'est un peu ça. Donc, c'est ce que je voulais vous demander simplement de faire avec vos coupons de pari pour ne pas raté. Est-ce que vous voyez? Ok. Donc, si je viens ici maintenant, je vais ajouter ça à notre coupon de pari. Ok. Donc, je reviens ici. Je reviens tout juste ici. Est-ce que vous voyez? Donc, ici aussi, je vais faire la même chose. Je vais faire pareille chose. Ok. Donc, on vient ici. On vient tout aussi le D7. Ok, donc total maintenant, on va encore faire la même chose, plus de 8 buts. Donc on a un code de 1,6. Ok, ça reste notre toute dernière combinaison. Donc si on vient ici maintenant, on va encore faire pareille chose. Bon, ici maintenant, il me semble que l'option deuxième partie a été masquée. Ok. Donc, les gars, ce que moi je voulais faire, c'est je voulais faire la même chose dans tous les coupons de Paris. Est-ce que vous voyez? Donc, je voulais faire
la même chose, pareille chose, dans tout, sur tous les coupons de pari. Donc, vous voyez. Donc, ici maintenant, je vais ajouter ceci à notre coupon de pari. Je vais ajouter ceci là à notre coupon de pari. Vous voyez, sur le 1-7, je vais ajouter le V1. Je vais lui donner victoire pour le 1-7. Donc, ce qui veut dire que le V1 va gagner le 1-7. Donc, les amis, voilà. Voilà notre troisième pronostic du jour. Donc, laissez-moi un petit pouce bleu si vous avez aimé la vidéo, si vous avez aimé la prestation, la prestation, oui, de la vidéo. Si vous voyez que quelque chose ne va pas, s'il vous plaît, écrivez-moi dans le commentaire. Laissez-moi dans le commentaire. Je vous demande encore pardon si vous voyez que quelque chose ne marche pas. Je vous demande de m'excuser beaucoup et de me faire des reproches. Est-ce que vous voyez, vous devez me faire des reproches pour que je corrige les choses, parce que c'est grâce à vous je suis à 203 abonnés. Est-ce que vous voyez? Donc je suis dans votre main et vous aussi vous êtes à ma côté. Donc les gars, merci à vous tous et activez-vous à la cloche de notification. Donc on dit à bientôt. Ciao ciao les gars.